chercher sans te trouver. Je n'ai jamais ni égoïste cherché sans te trouver. Je n'ai jamais ni Jacob te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais ni Isaac te chercher sans te trouver. Aujourd'hui pour prier. We are here today to pray. Amen. Amen. Alors vraiment sois là pour prier. So be here to pray. L'onction qui est là, c'est l'onction qui nous amène dans la prière. The anointing that is here is the anointing that leads us to prayer. Quand Dieu te demande de prier, il veut te dire prends possession. When God is asking you to pray, he's only telling you to take possession. Quand Dieu vient te dire prie. When God comes and tells you to pray, c'est qu'il te dit prends possession. It means that he is telling you to take possession. Parce qu'il sait que ces moyens-là permettent à quelqu'un de toucher ce qu'il lui l'a promis. Because he knows that that means allow someone to touch what he promised. À chaque instant que Dieu voudra que tu touches à des choses, il t'amènera dans la prière. Every time God would like to touch something, he will bring you to prayer. Jésus a dit ce que je fais, je vois faire au Père. Jesus said, what I'm doing, I see my Father doing the same. Et c'était les moments où il était dans la communion, dans la prière avec le Père. And it was at the moment where he was in fellowship in prayer.
prayer with his father. Amen. Amen. Accepte de transpirer. So accept to transpire. Accepte donc, que ce soit intentionnel, volontaire. Let it be willingly. Vous savez, quand il y a la sueur beaucoup, je sens qu'il y a un travail. You know, when I see sweat on my front, mais quand I tu es sec, c'est qu'il n'y a pas un travail. But when you are dry, there is no work. Alors, on va retourner dans la prière. So we'll go back soon in prayer. Et on va prier le Seigneur. And we'll pray to the Lord. Le dimanche passé, on a commencé à, le Seigneur a commencé à nous parler. Last Sunday, the Lord started talking to us. Le Seigneur nous parlait des combats qui arrivaient dans... des combats, des choses qui nous combattaient notre liberté. The Lord spoke to us about the things that were battling against our freedom. C'est-à-dire quand il y avait des combats contre notre liberté. And it's where there was battles against our freedom. Et nous commençons à lire et à comprendre des choses que Dieu voudrait quand il y a le combat, comment nous devrons nous agir. So we started reading and understanding the things God would like us to have. Et when dans la Bible, il y a beaucoup des endroits où on peut trouver des éléments qui nous permettra d'avoir une attitude par rapport au combat. So throughout the Bible, we see many places where we see attitude we must have during the battle. Mais ici, nous sommes juste focalisés dans l'histoire des enfants d'Israël. But here, we are only focused on the story of the children of Israel. Si vous entrez dans l'histoire des Josaphat avec les enfants d'Israël, vous connaîtrez encore d'autres attitudes. If you go to the story of Josaphat with the children of Israel, you will see other attitudes as et well. Et ainsi de suite. And so on and so forth. Alors, quand on a commencé à parler, on a parlé, on a dit que la première des choses qu'on avait parlé comme attitude que Dieu voulait à ce que qu'on reste en place. So when we started talking, we said that the first attitude God would like us to have during a battle is to stand still. Quand le combat vient contre notre liberté. It means when a battle arises against our freedom. Dieu veut qu'on reste sur place. God would like us to stand still. Parce que la liberté vient. Dieu donne une chose avant qu'elle soit manifestée. Because freedom comes, God gives something before it be manifested. Nous possédons avant de voir. We possess before seeing. Nous possédons avant de parler. We possess before speaking. Alors la liberté était déjà donnée par Dieu. So that freedom was already given by God. Et Dieu avait amené ce peuple à un endroit pour qu'ils vivent cette liberté. And God was bringing that people to a place for them to live that freedom. Mais pendant le chemin, il s'est passé des choses qui voulaient contredire cette liberté là. So during the journey, some things arise to contradict. Empêcher que cette liberté là soit totale. To prevent that freedom to be total. Et à chaque instant que ça se passera comme ça dans notre vie. So every time that it be the same in our life. Dieu voudra ce que qu'on reste en place. God would like us to stand still. Et on a dit que cette place là c'est l'endroit où Dieu a choisi pour nous. And we said that place is the specific place where God chose for us. Ça dit peu importe là où tu es s'il y a des combats mais si c'est l'endroit où Dieu t'a demandé d'être. It means no matter where you can be, if there was some battle, if the place God told you, you must remain même there. Même si on a promis, on a dit que cette ville sera rasée, on reste là. Even they said this city will be totally destroyed, we stay here. Même si la situation devient compliquée, mais tu restes là. Even the situation becomes complicated, you stay même ce there. Que tu fais ne marche pas, mais si Dieu te demande, reste encore dans ces choses. Even reste though là. What you are doing is not working, if God asks you to stay there, stay there. Restez là. Stay there. Et là, il faudra encore savoir si l'endroit où nous sommes, c'est Dieu qui nous demande d'être là. And in order to do that, we must be sure that the place is really the place where God wants us to be. Et on a parlé de deuxième de choses. So we spoke about the second thing. On a dit que Dieu à part, on devait rester en place, on devait garder silence. We said that outside of the fact of standing still, we must keep quiet. À chaque instant que les choses compliquent dans notre vie, every time things will be complicated in our la life, plupart des cas, ce que le diable voudra, ce qu'on parle. Most of the time, the devil wants us quand to speak. Quand les choses se compliquent dans la vie, when things become tough in our life, le premier membre de notre corps qui agit, c'est la bouche. The first member of our body that acts, c'est la bouche mouth. Qui doit s'ouvrir. It's the mouth that must be parce open. Que le diable sait que quand tu parles, la chose arrivera. Because the devil knows when you speak, the things will come et to pass. Et il sait que quand quelqu'un est dans la souffrance, il parle souvent mal. And he knows when someone is suffering, he often speaks evil. Quand il n'a pas la révélation que quelqu'un souffre, entre dans la prière. When he does not enter the revelation that when someone is suffering, he must go to prayer. À chaque instant que la souffrance vient dans notre vie, on a tendance à ouvrir notre bouche, mais négativement. Every time suffering comes to our life, we always intend to open our mouth. Negatively. Et ces peuples murmuraient. And that people were murmuring. Ils ont dit à Moïse, mais pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? They told Moses, why did you not leave us in
into Egypt. Mourir même là-bas. Even dying there. Ça, ils ont accepté même la mort en Égypte que être libre par le chemin de la mer. It means they accepted to die in Egypt instead of being free on that journey. Et ce que Dieu nous demande est qu'on doit rester silencieux. And what God is asking us is to keep quiet. Pas silencieux par rapport à sa parole, mais silencieux par rapport aux mauvaises paroles. Not quiet according to His word, but quiet according to the bad words. Pas silencieux par rapport aux bonnes habitudes, mais silencieux par rapport aux mauvaises habitudes. Not quiet according to good customs, but in bad customs. C'est-à-dire qu'on ne murmure pas. It means that we do not murmur. Qu'on ne s'inquiète pas. That we do not worry. Qu'on ne parle pas négativement. That we don't speak negatively. Pourquoi? Parce que ces choses-là qu'on va libérer, le diable prendra ça. Because the devil will receive all those things that we are going to release. Et on a appris tous ensemble que quand on parle mal, and we all learn together if we speak ill, on parle à deux mondes spirituels. We are speaking to two spiritual worlds. Le monde spirituel de Dieu, mais aussi le monde spirituel de Satan. The spiritual world or realm of God and of the devil as well. Et chacun de ces mondes-là reprend une parole qui a sa nature. And each of these two worlds takes the word that has its nature. Quand on parle négativement, la nature de cette parole est pour les diables, et c'est le diable qui prend pour mettre en exercice cette parole. When we speak negatively, that nature is of the devil, so the devil takes that word. Quand on parle bien, ça c'est la nature de Dieu, et le monde de Dieu prend cette parole pour mettre en exercice cette parole. And when we speak good, the realm of God takes that word to make it into practice or into work. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande de bénir. That's why the word of God is requesting us to bless. Bénédiction veut dire bonne parole. Blessing means good words. Mais le diable ne voudra pas qu'on bénisse. But the devil will not want us to bless. Il voudra ce qu'on maudisse. He would like us to curse. Amen. Amen. Et on a dit qu'on devait être silencieux. So we said that we must keep quiet. On devait être silencieux. We should be silenced. Ésaïe 30, le verset 15, on va lire ça. Isaiah chapter 30, verse 15, we are going to read. La Bible dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ça teste toujours à ce peuple d'Israël. The same people of Israel. La parole de Dieu dit que c'est dans la tranquillité de et dans le repos que viendra notre salut. The Bible said that the salvation will come in tranquility and rest. Mais c'est dans le calme et dans la confiance. But in calm and confidence. Que viendra notre force. That our strength will come. Donc quand on parle négativement, on est en train de s'affaiblir. So we are weakening ourselves whenever we speak negatively. Pourquoi on est en train de s'affaiblir? Why are we weakening ourselves? Parce que la vie que Dieu a destinée pour nous, son accomplissement se nourrit des bonnes paroles. Because the life God has designed for us, his accomplishment is only nourished by good words. Je répète encore, c'est que Dieu a mis en nous la destinée que Dieu nous a donnée. I'm repeating myself, what God has given us, the destiny he gave us. Le mécanisme où son accomplissement se réalise en fonction de bonnes paroles. Its mechanism or its accomplishment is only taking place with good words. C'est-à-dire à chaque instant qu'on parle mal, on est en train de détruire le circuit de l'accomplissement de la promesse. It means every time we are speaking ill, we are destroying the way of the accomplishment. On est en train promise. De rendre en panne la machine de Dieu pour accomplir la promesse dans notre vie. We are destabilizing the mechanism of God to fulfill His promise to us. Et troisième de choses, on a dit qu'on ne devait pas cesser à marcher. And the third thing we say, we should not stop marching. À chaque instant que le chose se complique. Every time things will become complicated. Souvent, il y a tendance à s'arrêter. We always have the tendency to stop. Et à chercher une autre direction qui souvent n'est pas la bonne. And to look for another direction that oftentimes is not the good one. Mais Dieu a demandé aux gens, à ses peuples de marcher. And God asked those people to keep marching. Mais quand Dieu demande à ses peuples de marcher, so when God is asking those people to keep marching, on a vu qu'ils ne pouvaient pas marcher parce qu'ils voyaient la mer. Ils ne pouvaient pas marcher vers la mer. We saw that they could not march any further because they were seeing the sea. Mais l'Esprit de Dieu nous a dit le dimanche passé que même s'il y avait une petite espace, on doit encore parcourir ça. But the Spirit of God told us last Sunday, even there remained a small space, we should march. C'est-à-dire si le médecin me dit que tu vas mourir dans une semaine, it means if a physician tells me that we'll die in a week, j'ai une semaine de prier. I have 1 week to pray. C'est-à-dire j'ai une semaine à pouvoir changer ça. It means I have 1 week to change it. Oh, la Bible dit un jour pour lui c'est comme 1000 ans. Or the Bible say one day for him is like 1,000 years. Donc si j'ai 7 jours, j'ai 7000 ans à être dans la présence. So if I have 7 days, I have 7,000 years to be in God's presence. Et donc je peux changer. And then I can change it. Donc la situation peut changer. So the situation can still be changed. Mais à chaque instant que nous avons une situation qui est déjà planifiée et décrite déjà. And whenever we have a situation that is already planned.
On s'est dit, ah, mais je n'ai plus de temps, donc, et ça, les macabres. We say, I don't have time anymore, it will come to pass like this. Israël était là, mais il voyait la mer déjà. Israel was standing there, seeing the sea. Il voyait comment la mer était grande. They were seeing how great the sea was. Il voyait comment la mer était tendue. How vast it was. Il ne pouvait pas voir que la mer puisse se séparer. They could not see how the sea could have been divided. Mais Dieu les a demandé de marcher. But God asked them to march. Et leur marche était vers la mer. And their march was toward the sea. Vers l'obstacle. Toward the obstacle. Ce n'était pas un autre chemin qui était libre. It was not another way that was free. Non. No. Vers cette chemin là qui était encore obstacle. Toward the same way that was an obstacle. Amen. Amen. Voilà parce qu'on a dit, le Saint-Esprit a dit le dimanche passé. That's what the Holy Spirit told us last Sunday. Alors aujourd'hui on va ajouter quelques points et puis on va prier. So today we'll add some points then we'll pray. Quatrième point. And the fourth point. Nous sommes dans Exode chapitre 14. We are in Exodus chapter 14. Exode chapitre 14, on peut prendre nos Bibles. Exodus chapter 14, we can take our Bibles. Exode chapitre 14. On va prendre le verset 16. We'll take the verse 16. La Bible dit ceci. The Bible says this. Toi, il parle à Moïse. He's speaking to Moses. Lève ta verge et tend ta main sur la mer et fins-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Amen. Il dit, et toi. He said, and you. Quand il dit toi. When he says you. Il désigne Moïse. He designed, he chose Moses. Et là, ce n'est plus sa responsabilité tant que Dieu. And from that moment, it's no longer God's responsibility. Là, maintenant, c'est la responsabilité de l'homme. It's now a man's responsibility. C'est la responsabilité d'Israël. It's Israel's responsibility. Parce que Moïse était représentant. Because Moses was a representative. Et la Bible dit que toi maintenant. And now the Bible says you. Lève now, maintenant ta verge. Lift up your rod. Et qu'est-ce que la verge représentait à cet instant-là? What does the rod represent back then? La verge peut avoir plusieurs représentations. The rod can have many representations. Selon les circonstances. According to circumstances. Mais en général, la verge symbolise. But in general, the rod means. C'est-à-dire cette parole que Dieu avait donnée à Moïse pour dire que tu quitteras l'Égypte et tu amèneras mon peuple jusqu'en Canaan. It simply means the word God gave Moses that you will leave Israel and bring my people to Canaan. La verge était le symbole de la parole de la liberté. The rod was the symbol of liberty, of freedom. La verge était le symbole de la parole de la libération. That rod was the symbol of the word of freedom. C'est-à-dire la manière dont Moïse pouvait faire marcher cette promesse de Dieu. The only way for Moses to keep to make God's promise. À chaque instant, il avait besoin de cette verge. That every time he needed that rod. Parce que la parole de Dieu s'est connectée à cette verge là. Because God's word was connected to that rod. Et cette verge là avait pris la forme de la parole de Dieu. And that rod from that time took the form of the word of God. C'est-à-dire ce qui était de Dieu en Moïse, c'était cette verge là. It means what was God in Moses was now that rod. C'est-à-dire la parole de Dieu qui était sur cette verge. It was the word of God that was upon that road. Et la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, prends cette verge. And the Bible said God told Moses to take that road. Tu dois maintenant lever la verge. You need now to lift up that road. Pour que par celle-là que tu puisses séparer la mer. So that you might divide with it the sea. La verge là pour nous, on met ici que ça symbolise la parole. And the road now means the word for us. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, on peut être silencieux. You know, beloved brethren, we can be silenced. Quand il y a le combat. When there is a battle. On ne parle pas en mal. We don't speak evil. On peut marcher, continuer à marcher. We can keep marching. Mais on peut aussi rester en place. But we can also stand still. Mais si nous ne prononçons pas la parole de la liberté. But if we do not pronounce the word si of freedom. Si nous ne prononçons pas de temps en temps ou en tout moment la parole que Dieu nous a donnée. If every now and then we do not pronounce all the time we don't pronounce the word God gives us. On va retarder beaucoup de choses. Beloved brethren, we are going to delay many things. On va retarder beaucoup de choses. We will delay so many things. C'est-à-dire, ils avaient besoin de proclamer la parole. It means they needed to proclaim the word. À chaque instant que nous sommes dans une situation qui est difficile. Every time we find ourselves in a difficult situation. Vous et moi, c'est que Dieu veut. You and I, what God wants. On doit se référer sur la parole qu'il nous a donnée. We must refer ourselves to the word he gave us. Et prendre à chaque instant cette parole-là et proclamer. And take that word and proclaim it all the time. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une arme fiable et forte. Beloved brother, there is no reliable weapon. Dans une situation difficile. In a difficult situation. Comme amener une parole que le Seigneur t'avait parlé. Like bringing inside what God gave you. C'est comme aller vers quelqu'un. It's like going to someone.
ou quelqu'un autre t'a donné autorité de faire quelque chose avec lui. Or someone has given authority to do a business with him. Mais la personne résiste pour faire avec toi. And the person resists to work with you. Qu'est-ce que tu fais? What will you do? Tu lui rappelles que le patron a dit. You remind him that the boss says. Papa a dit. Father says. C'est un peu ce que les enfants font. It's a little bit what the children. Quand papa dit va chez maman, dit à maman de te donner les bonbons. When dad says go to mom and ask him a candy. D'autres enfants qui sont malins, il dira pas maman donne-moi les bonbons. Those who are sneaky will not say mom give me a candy. Il dira they'll say maman, mom, papa a dit dad says donne-moi les bonbons. Give me the candy. Il doit mettre papa dedans. She should put father inside. Il doit rappeler la parole de l'autorité qui a parlé. It means she should remind the word of the authority. Et à chaque instant que nous sommes dans une situation difficile, bien aimé dans le Seigneur. So all the time that we find ourselves in a difficult situation, il n'y a pas plus pour que le Saint-Esprit nous rappelle la parole que Dieu nous a donnée. There is not something more than the Holy Spirit reminding us the word God gave us. Parce que quand Dieu t'avait donné cette parole, because when God gave you that word, il t'avait donné ça comme solution. He gave you that word as a solution. Il t'avait donné ça comme clé déjà de ces problèmes. He gave you that word as a key to that problem. À chaque instant qu'on va rappeler cette parole dans des situations, so whenever we are going to remind the word of ça sera that pour dire au diable que voilà la solution que Dieu m'a donnée. It will be to tell the devil, here is the solution God gave me. Voilà la clé que Dieu m'a donnée. Here is the key that God gave me. Vous savez, Dieu n'avait pas besoin de sécher la mer. You know, God did not need to dry out the sea. Dieu n'avait pas besoin de sécher toute la mer. God did not need to dry all the sea. Mais il avait besoin de tracer un chemin. But he only need to trace a way. De tracer un chemin. To make a way. Vous savez, on peut passer des moments difficiles. You know, we can go through difficult situations. Dieu souvent n'enlèvera pas tout le problème. Oftentimes, God will not remove all the problems. On peut avoir quelqu'un qui nous dérange dans la sorcellerie. We can have someone bothering us in witchcraft. La solution de Dieu, ce n'est pas seulement cette personne meurt. God's solution will not be the death of that person. Souvent, les gens, on a écouté les gens prier de cette manière. Oftentimes, we heard people praying. Donc, il n'aura pas coup. Let the witch of Balaam si die. Si celui-là meurt, un autre sorcier naîtra. If that one die, another one will Parce be born. Parce que la sorcellerie, c'est un esprit. Because witchcraft is a spirit. C'est un esprit qui habite un corps qui commence à le diriger mal. It's a spirit that lives in a body and directs it. Et la sagesse de Dieu fait que le sorcier ne meurt pas. So God's wisdom. That's the witch Mais don't Dieu die. Fait que le sorcier soit dans l'état où il ne peut rien contre. But God does that witch may find themselves in a state where they can never. Ça dit Dieu n'avait pas besoin de sécher toute la mer. So God did not need to dry out all the sea. Parce que ce qu'il avait besoin, c'était du chemin. All he needed was just to make a way. Ce que nos vies ont besoin, ce n'est pas qu'un sorcier meure. What our lives need is not that the witchcraft. Ce que nos vies ont besoin, c'est un chemin. But what our lives need is just a way. Un chemin. A way. Vous savez, un chemin, même ce que ça na zamba et akashemé. You know, a way, even it's in the forest, is remains a way. Même ce que ça na mai et akashemé. Even it's in the sea, it's a way. Le plus important, ce n'est pas où est le chemin. The most important thing is not where le is the way. Le plus important c'est de savoir si ce chemin mène dans une ville. Amen. The most important is to know whether or not the way is leading to a Et city. Et la ville c'est la destination de Dieu pour And toi. The city is God's destination for you. Ça dit Dieu a besoin juste d'un chemin. It means God only needs a way. Il n'a pas besoin d'enlever tout le problème. He doesn't need to remove all the problems. Dieu a besoin juste de frayer un chemin. God only needs to make a way. Voilà pourquoi on peut voir que la sorcellerie est encore dans la famille. That's why we can still see. Mais les gens s'épanouissent. But now people are feeling well. Voilà, les sorciers restent pauvres. And the witches are still poor. Ils ne mangent personne. They eat no one. Ils n'ont plus de sang à boire. They don't have any blood to drink. Ils n'ont plus rien à voir. They have nothing to do. Souvent Dieu fait ça. Oftentimes God does that. Souvent Dieu fait ça. Oftentimes God does that. La parole. The word. Dieu nous donne la parole. God gives us the word. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 12 le verset 11. When we read Revelation chapter 12 verse 11. Apocalypse 12 le verset 11. Revelation chapter 12 verse 11. C'est un verset que nous connaissons 12 11. It's a verse that we know. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Ça dit ils ont vaincu à cause de l'agneau. They overcame because of the lambs. Mais à cause de la parole de leur témoignage. And because of the word of the testimony. On peut savoir que vaincre déjà à cause du sang de l'agneau, c'est déjà total. We can know that overcoming because of the blood of the lamb is total. C'est déjà total. It's enough. Mais pourquoi la Bible ajoute la parole de témoignage? Why does the Bible add the word of the testimony? Pourquoi? Why?
Parce que Dieu a créé et a formé. Because God has both created and formed. La bénédiction se crée et se forme. A blessing is both created and formed. La destination se crée, la destinée se crée et se forme. Destiny is created and formed. On peut avoir déjà la création de notre destinée. We can already have the creation of our destiny. Mais tant qu'il n'y a pas formation, but c'est pas matériel. As there is no formation, it's not real yet. Et pour que la création vienne dans la formation. And for the creation to come now into formation. Dieu avait parlé. God has spoken. Dieu a soufflé. God has breathed. Le souffle était des paroles. And so that breath was word. Il a soufflé dans l'homme. He breathed in man. Et l'homme est devenu une âme vivante. And the man became now a living soul. Les paroles que Dieu nous a données, que nous écoutons, qui deviennent nos paroles. The word God gave us that we listen that became our words. Ce sont des armes que Dieu nous donne entre nos mains. Are the weapons God put in our hands. Pour que nous commencions à chaque instant qu'on aura des problèmes. That we might strike every time we'll have problems. Que nous puissions toujours proclamer ces paroles. That we might always proclaim those words. Toujours proclamer cette parole. Always proclaiming those words. Proclamer ces paroles. Proclaiming those words. Psaume 118 le verset 7, 17. Psalm 118 verse. La Bible dit je ne mourrai pas. The Bible says I will not die. Je vivrai. I will live. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. And I will proclaim the works of the Lord. Cette déclaration c'est une parole que quelqu'un l'a écoutée de Dieu. In a reason, a declaration that someone heard from God. Il se peut qu'il n'a pas écouté ça audiblement. Maybe it was not audible. Mais c'est ce qu'il a compris dans la présence de Dieu. But it's what he understood in the presence of et God. Et que Dieu that God ne veut pas qu'il meure. Did not want him to die. Et que Dieu God veut qu'il vive. Wants him to live. Et que Dieu God veut qu'il rencontre le bienfait. Wants him to tell the good works. Et quand il comprend ça, so when he understands il this, prend ça comme une parole. He takes it as a word. Quand il dit cette parole, il est dans la souffrance. When he says this word, he is suffering. Il est dans le problème. He is in the midst of problems. Et il déclare. And he declares. Il dit je ne mourrai pas. He says I will not die. Quand quelqu'un déjà dit je ne mourrai pas, when someone says I will not die, ça veut dire qu'il passe de moment où il peut mourir. It means he is going through a situation where he can die. La mort visite déjà cette personne. It means the death is around. Donc il était visité déjà par la mort. So he was already visited by death. Alors il faut proclamer une parole. So we need now to proclaim a word. Je ne mourrai pas. I will not die. Je vivrai. I will live. Il n'a pas dit seulement je ne mourrai pas. He did not simply say I will not die. Il n'a pas dit seulement ce qui ne sera pas. He did not only say what that should not be. Parce que souvent on ne dit que ce qui ne sera pas. Because oftentimes we only say what should not mais be. Mais on ne dit pas ce qui doit être. But we don't say what should be. Quand dans nos prières, dans notre proclamation, when in our prayer, during our proclamation, on dit ce qui ne sera pas. We say what must not en be. En fait, le diable le sait. In fact, the devil knows it. Il sait que tu ne seras pas pauvre. He knows that you will not be poor. Il le sait. He knows it. Mais maintenant, on doit dire ce qui sera. Now we must say what should be. Nous, on doit dire. We should say. Alors, quand je dis je ne mourrai pas. So when I say I will not die. Je dois dire qu'est-ce qui se passera. I must say what will take place now. Quand je dis je ne serai pas pauvre. When I say I will not be poor. Dis que je serai riche. I must say that I must be quand rich. Quand tu dis que je ne serai pas célibataire. When I say I won't be single. Dis ce que tu es. Say what you are. Quand tu dis que tu ne seras pas ceci. When you say you will not be this. Tu dois dire ce que tu es. You must say what you are. Amen. Parce que la vie chrétienne c'est le verbe être. Because Christian life is the verb to be. C'est l'identité. It identity. C'est l'identité. It the identity. Et on doit toujours proclamer ce que and nous sommes. And we must always proclaim what we are. Et ici Moïse a levé son bâton. So here Moses lifted up his rod. Moïse a levé le bâton. Moses has lifted up his rod. Quand vous lisez en bas, when you read down there, vous verrez que Moïse a levé le bâton comme quelqu'un qui proclame la parole. You will see Moses lifting up his rod as someone proclaiming the word. Notre rôle c'est de proclamer la parole. Our role is to proclaim. Le rôle de Dieu c'est de se souvenir de ses paroles. And God tasks you to remember those words. Et de savoir que ces paroles sont mes paroles. And to know to acknowledge that those et words are mine. Et c'est Dieu qui va faire à ce que ces paroles se réalisent. And it God will make that those words might come to pass. Quand vous lisez, vous écouterez, on dit que c'est Moïse qui leva la main. And when you read, you see it Moses will lift up his hands. La Bible dit et Dieu refoula la mer. And the Bible says God chased away the sea. Et Dieu refoula la mer. And God chased away the sea. Ça dit Moïse a fait sa part. It means Moses did his portion. Mais Dieu a fait sa part. And God did his also. Pourquoi Moïse a attendu? Dieu a attendu que Moïse lève la main, le bâton. Pourquoi? Why did God wait for Moses to do his portion? Est-ce que Dieu ne peut pas refouler la mer directement? Could not God just chase away the sea? De toute façon, c'est toi qui as refoulé la mer. Case is you the one who chases away the sea. Tu n'as pas refoulé la mer directement. Why you simply chase away the sea? Tu veux que Israël passe ici. You want Israel to pass by. Tu as la puissance, refoule la mer. You have the power, just do it. Pourquoi Moïse doit faire ces mouvements? Why does Moses do it first? Pourquoi? Why? Pourquoi? Why?
Parce que nous sommes co-travailleurs. Because we are co-workers with him. Amen. Nous sommes co-travailleurs. We are co-workers with God. Dieu sait qu'il a donné une parole à quelqu'un. God knows that he has given a word to someone. Il attend que tu proclames cette parole. So he is waiting for you to proclaim that word. Pour que cette parole-là soit en mouvement. For that word to be now in movement. Il attend. He is waiting. Il ne fera pas notre part. He will not do our portion. Alors à chaque instant que nous sommes coincés dans des situations très difficiles, bien-aimés dans le Seigneur. So every time we find ourselves in difficult situation below bread. Que le Saint-Esprit nous aide tous à ce qu'on se souvient de paroles que Dieu nous a dit. May the Holy Spirit reminds us the word of God. Ces souvenirs de paroles qui sont vie. To remember the word that are life. Vous savez, être chrétien sans avoir de paroles, c'est difficile, c'est pas bien. You know, it's difficult if you are a Christian without having words. Parce que quand tu seras dans le moment difficile, tu ne parleras qu'en mal. Because when you're in tough situation, you will speak ill. Alors autre chose. So another thing. À part qu'on doit proclamer la parole. Except the fact of proclaiming the word. Voilà pourquoi dans la prière, il y a des moments de la prière où tu es seul. Proclame la parole, proclame. That's why there are times in prayer when you are alone, proclaim the word. Proclame, tu es dans ta chambre, fais que proclamer la proclaim, parole. You are alone, proclame, proclaim, proclaim the word. Proclaim again. Même si and ça again. Fuit, tu dis ça mauvais, tu peux retourner deuxième fois, tu dis ça bien. Even you don't say you are, you can come back a second time. Mais la proclamation a une grande puissance. The proclamation has a great power. La proclamation de la parole a une grande puissance. The proclamation of the word has a huge power. Alors proclamons la parole. So let us proclaim the word. Tu te sens dans la souffrance des problèmes. You feel yourself in stuck in a problem or situation. Entre dans la chambre et proclame la parole. Go into your bedroom and proclaim the words. Mais une autre chose. But another thing. Une autre chose. Another thing. À savoir. To know. C'est que quand notre ennemi nous combat. Is that when our enemy is fighting against us? Dans l'endroit où Dieu nous a placés. In the place where God has put us. Il est déjà dans la défaite. He is already defeated. Amen. Quand le diable nous combat là où Dieu nous a déjà placés. When the devil is battling us where God has put us. Peu importe son combat, il est déjà dans la défaite. No matter his fight, he is already defeated. Vous savez, pour tuer Pharaon et ses soldats. You know, to kill Pharaoh and his soldiers. Il a fallu que les Égyptiens, Pharaon, soient sur le pas des Israélites. It took the Egyptians to be in the footstep of Israelites. Et c'est là qu'il va à l'endavant. They had to follow them. C'est-à-dire à chaque instant que l'ennemi te poursuit sur une voie où Dieu t'a placé. You know, all the time that enemy is following you in the way where God put you. Il joue à sa défaite. He is playing in his own defeat. Il joue à sa défaite. He is playing in the. C'est-à-dire à chaque instant que tu es dans un endroit. So all the time you find yourself dans une situation. In a situation. Où tu sais que c'est Dieu qui m'a placé ici. Where you know it's God who puts me here. C'est Dieu qui veut que je fasse ça. It's God who want me to do this. C'est Dieu qui veut que j'aie ça. It's God who want me to have this. Mais c'est le diable te combat. But now the devil is battling. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir. Voir que tu le diable tombera devant toi. Beloved brother, you must know that the devil will fall before you. Le diable tombera devant toi. The devil will fall. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Here is what happened on the cross. Vous savez, à la croix, Jésus est allé pour mourir. On the cross, Jesus went to die. Et la croix, c'était la volonté de Dieu. And the cross was God's will. C'était la place où le Père a destiné le Fils. It was the place where the Father had designated the Son. Mais Satan a poursuivi Jésus là-bas. So Satan purchased Jesus there. C'est-à-dire, il a voulu le faire tuer. It means he wanted to make him kill. Il l'a suivi là-bas. So he followed him. Croyant qu'il était en train de faire mourir le Fils de Dieu. Thinking that he was making the Son of God die. Il savait pas qu'il était en train de donner la vie. He did not know that was giving him life. Pas seulement à lui, mais à tous ceux qui croiront. Not only to him, but to all those who will believe in him. C'est-à-dire à chaque instant que le diable te poursuit sur une voie, la première des choses à savoir, c'est de savoir est-ce que il me poursuit sur un terrain où Dieu m'a placé. So the first thing to be sure of whenever you are going somewhere is to make sure that you are in the place where God put you. Voilà pourquoi ne fais pas le combat avec le diable hors l'arche. That's why don't make battle with the devil out of the ark. Ne fais pas le combat avec Dieu dans une vie que Dieu n'agrée pas. Don't make a battle with God in the life that God does not that is unpleasing. Pourquoi? Parce to que God. C'est, tu n'es pas dans un bon terrain. Because you are not in a good field. Tu n'es pas dans un bon terrain. You are not in a good field. Tu dois être dans un bon terrain. You must be first. Le in bon a good terrain field. C'est l'endroit où on craint Dieu. And a good field is the place where we fear le God. Le bon terrain c'est l'endroit où nous marchons comme des enfants de Dieu. The good field is the place where we march as children où of God. Éloignant du péché. But we are away from sin. Là où il n'y a pas de fautes qui sont sur nous. But there is no fault upon us. Dans le sens où nous commettons des choses volontairement. In the way where we do things willingly. Dans le sens où nous sommes dans un lieu où Dieu ne veut pas qu'on soit. In the sense where we are somewhere where God does not want us to be there. Vous savez,
On dit toujours malédiction avec cause à des effets. We always say a curse with reason always have effect. Ça dit si tu as volé, it means if you have stolen, tu te mets dans un mauvais terrain. You put yourself in a bad si ground. Cette personne là que tu avais volé, if the person that you stole from, va voir un féticheur, go and see a witch, pour tuer celui qui l'a volé, to kill the person who stole him, tu partiras. You will go, you will die. Parce que tu es dans un mauvais terrain. Because you are in a bad field. Tu es dans un mauvais terrain. You are in a bad field. Si tu as escroqué quelqu'un. If you have crooked someone. Et que tu as sa dette, tu as quelque chose de lui. And that you have someone that is his. Que tu as acquis par une mauvaise voie. That you have acquired in a bad way. Si cette personne-là se décide de faire quelque chose. If that person made up his mind to do something. Ça t'atteindra. It will reach you. À moins que la grâce de Dieu soit. Unless the grace of God is upon you. Ce qui va agir, ça sera plus l'alliance, mais la grâce. That will act will no longer be the covenant but the grace. Et Israël était dans un bon terrain. So Israel was in a good field. Dieu les avait demandé de partir. God has asked them to go. Et qu'est-ce que le diable fait Pharaon fait? So what the devil of Pharaoh did? Il poursuit ses peuples. So they went after them. Et qu'est-ce que Dieu dit? What God said? Il dit à Moïse laisse que Pharaon suive. God told Moses to leave Pharaoh. Et Dieu a attendu jusqu'à ce que Pharaon était là où la mer s'est séparée. So God wanted Pharaoh to reach the place where the sea was divided. Souvent Dieu ne stoppe pas l'ennemi là-bas. Oftentimes God doesn't stop the enemy right there. Il le stoppe dans la traversée. He is just stopping them at the parce qu'il sait que quand la mer va se renfermer. Because he knows when the sea will come back. C'est lui qui restera là-bas. He is the one who will remain there. C'est lui qui restera là-bas. He is the one who will remain there. Et ça, notre Dieu le fait souvent. So our God does it often. Voilà pourquoi ne combattez pas quelqu'un dans un terrain où Dieu le veut. That's why never battle against someone in a field where God wants him to ne be there. Ne combattez pas quelqu'un dans un poste où Dieu le veut. Never fight someone who is in a post where God wants ne him. Ne combattez to pas be. Quelqu'un dans une affaire où Dieu le veut. Never make a battle with someone in a business where God quand wants tu veux faire there. Une affaire comme la personne, fais seulement ton affaire mais ne cherche pas de combat contre quelqu'un. When you want to do the same business as the person, do your own but don't make battle with him. Surtout quand c'est une personne qui a l'alliance avec Dieu, un enfant de Dieu. And more importantly, what if he is the son of God or someone who has a covenant with God? Il sait pas si tu fais ton affaire toi-même, tu vas réussir. Maybe if you do your business, you can succeed. Mais quand tu le combats et l'autre de réussir quand même, tu ne réussis plus. So now that you are fighting him instead of succeeding, you will not succeed anymore. Il y a des gens qui ont échoué pas parce qu'ils devaient échouer, mais ils ont échoué parce qu'ils ont combattu quelqu'un qui devait réussir. Many people have failed not because they were supposed to fail, but because they made a battle against someone who they should not make a battle against. La Bible dit on prendra même à celui qui n'en a pas. The Bible says that we'll take away from the person who does not have anything. Celui qui n'a pas, on lui donnera et on prendra chez celui qui en avait déjà. He who did not have, we give him and we take from the person who did not have. Pharaon était dans sa gloire. Pharaoh was in his glory. Mais il a accepté de suivre Israël. And he accepted to follow Israel. Et il a accepté de combattre Israël. And he accepted to battle against them. Dieu nous demande de l'assurance. God is asking us assurance. Quand nous sommes à l'endroit où lui nous a placé. When we are at the place where he puts us. Mais on va regarder une dernière des choses avant de prier. So we will look at the last thing before praying. Parce que j'ai dit qu'on doit prier. Because le I Seigneur. Say that we should pray the Lord. On doit prier pour notre liberté. We should pray for our freedom. Nous avons la liberté, mais on doit prier que cette liberté là qui a saut là-dessus. We pray for we have the freedom, but we must pray that it might Exode have a seal. 14, toujours nous sommes là. Exode 14, we are still there. Exode chapitre 14. Exode chapter 14. On va lire quel verset je vais regarder. Read the verse. On va lire le verset 19. The verse 19. 18, 19. 18 and 19. La Bible dit, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Le verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps ne s'approchèrent point l'un l'autre pendant toute la nuit. Amen. Amen. Dieu les a protégés. God has protected them. Je l'ai déjà dit un jour, je vais le répéter. I've said it once here, I will repeat it. Souvent dans d'autres situations, la meilleure façon ou la première des choses de Dieu pour pouvoir faire. Oftentimes, in some situations, the best thing for God to do. C'est de faire que le diable ne nous touche pas. Is that to prevent the devil from touching us. En attendant que les choses évoluent.
while waiting for the things to move forward. Il ne le chasse pas loin. He does not chase him away. Mais il fait juste qu'il ne te touche pas. But he simply prevents him from touching you. Il ne fait que juste qu'il ne te touche pas. He simply prevents him from touching you. Vous savez quand le diable nous combat, il souffre plus que nous. You know when the devil is fighting us, he quand le diable nous combat. When the devil is fighting. En fait, quand le diable combat ma vie, en fait, il est en train de réagir. In fact, when the devil is fighting against my life, he's reacting. Il n'agit pas, il réagit. He's acting, he's reacting. En fait, le diable souffre quand il nous combat. In fact, the devil suffers when he's fighting us. Il souffre quand il nous combat. He's suffering when he's fighting against us. Il souffre quand il nous combat. He suffers whenever he's fighting against us. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est une réaction. Why? Because for him, it's a reaction. Il sait ce que Dieu a dit. He knows what God said. Et ici, la Bible dit que l'ange qui conduisait Israël. And the Bible said the angel that was leading Israel. L'ange qui était devant pour montrer le chemin. The angel that was in the front to show the way. Quand il a vu un danger. When he saw the danger. Il est venu au milieu. He came now in the midst. Au milieu. He came in the midst. Pour protéger. To protect. C'est lui qui était guide et devenu protecteur. He was the guide, became now a protector. C'est lui qui était guide et devenu protecteur. The guide has now become a protector. Et pendant toute la nuit, la Bible dit que les Égyptiens n'ont pas pu s'approcher des Israélites. And the Bible says all night long, the Egyptians could not draw near. Et la Bible dit d'un côté. La Bible dit il y avait le ténèbre, mais d'un côté il y avait la nuit. And the Bible says in one side there was light and the other side was darkness. Ça dit d'un côté on ne pouvait même pas voir quoi que ce soit. It means in one side they could not see nothing. Mais d'un côté ils avaient quand même la lumière de la nuit. But on the other side they had at least the light of night. On sait que la nuit c'est aussi un moment de repos. We know that night is a time of rest. Ça dit pendant que le diable te combat. So while the devil is fighting. Pendant que le diable me combat. While the devil is battling. L'attitude que Dieu nous donne c'est le repos. The attitude God gives us is rest. Le repos. Rest. Dieu veut que quand le diable me combat, God wants that whenever the devil is battling us, that we should be at rest. Et de laisser le diable faire des histoires qu'il veut faire. And to let the devil do the things he wants to. Pourquoi? Parce qu'il ne s'approchera pas de nous. Because he will not draw near us. Il ne s'approchera pas de nous. He will not approach us. Vous savez, le diable n'a pas l'autorisation de nous toucher sans que Dieu le dise. You know, the devil does not have the authorization to touch us without God's permission. Ou sans que moi-même ou nous-mêmes qu'on le dise. Or without myself or ourselves to allow him. Il n'y a que deux personnes qui peuvent autoriser au diable de nous toucher, c'est Dieu et nous. There are only two people that can allow the devil to touch us, God and us. Lui-même n'a pas cette autorisation-là. He does not have by himself that authority. C'est-à-dire, il n'a pas une autorisation qui lui a été donnée que tu peux me toucher. It means no authorization was given to him to touch sinon, people. Sinon, chaque jour où nous dormons la nuit. If it was so, every time that we sleep at night. Souvent, on fait aussi des mauvais rêves. Sometimes we even have bad dreams. Mais on se réveille, nous sommes en vie. But we wake up, we are still alive. On se réveille, nous avons la vie. We wake up, we still have life. Et Dieu nous protège de cette façon. And God protects us in that. C'est-à-dire qu'à chaque instant qu'il y a le combat. It means that all the time that there is a battle. C'est le même Dieu qui nous conduit, c'est le même Dieu qui nous protège aussi. The same God that guides us is the same God that protects us. Dieu ne nous conduit pas seulement vers la destinée, mais nous protège aussi pour la destinée. God does not only bring us to destiny, but He's always also protecting us. Non, Dieu n'est pas seulement celui qui conduit. He's not only He who is conducting. Dieu protège. He protects also. Protège. He protects. Il sait que tu dois toucher quelque chose. You know that you should touch something. Il te protège pour que so tu he's protecting you to touch it. Il sait que tu dois faire une mission. You know that you must accomplish a il mission. Il va te protéger que tu fasses cette so mission. So he protects you for you to accomplish il sait que that tu mission. Dois arriver à quelque endroit. You know that you must arrive somewhere. Il va te donner la vie pour que tu arrives là. So we'll give you life for you to get there. Et ça c'est ce Dieu là. And that is our God. Ça c'est ce Dieu là. That is our God. Quand il y a le combat dans notre liberté. When there are battles in our freedom. On doit savoir que c'est lui qui nous conduit, il nous protège aussi. We must know that he who is conducting or leading us is also protecting us. C'est lui qui nous a dit cette belle parole quand il y a des problèmes, il ne nous lâche pas. He who gave us those good words when there are problems, he doesn't forsake us. C'est lui qui nous avait dit on va réussir quand il y a des problèmes à l'école, il ne nous lâche pas. He who told us that we are going to succeed whenever there are problems at the school. C'est lui qui nous a dit on sera en bonne santé quand il y a la maladie qui nous attaque, il ne nous lâche pas. He who told us we'll be healthy whenever the wrong sickness. He does not forsake us. Parce que quand Dieu dit une parole, il regarde toute notre vie défilée. Because when God says a word, he looks at all our life. Dieu ne vient pas intervenir dans notre vie comme des hommes. God doesn't come to intervene in our life as men. Mais Dieu dit une parole et c'est pour toute notre vie. And God says a word and it's for all our life.
Quand Dieu t'a donné la parole que tu l'as, il l'avait donné pour toute ta vie. When God has given you a word, he gave it for all your life. Il avait regardé ta vie, toute ta vie, et voilà pourquoi il a dit ce qu'il a dit. He looked at your life from start to finish. That's why he said. Il avait regardé quand tu seras en Russie. He looked at when you will be in Russia. Il avait regardé après la Russie, tu seras où. He looked at where you will be in Russia. Il avait regardé toutes tes années ici. He looked at all your years here. C'est cette parole qu'il t'a donné. Is it that word he gave you? Il a regardé toutes les choses qui arriveront. He looked at all the things that will happen. Alors quand une chose arrive, so when something happened, tu dois savoir que Dieu était au courant. You must know God was in the know. Il le savait. He knew it. Alors pose-toi la question, posons-nous la question. So let us ask ourselves. Quand il le savait, qu'est-ce qu'il a fait? What did he do when he knew it? Voilà pourquoi il a donné cette parole qui est positive. That's why he gave that positive word. Il a dit à Josué. He told Joshua que nul ne se tiendra devant toi. That no one will stand you. Il dit tant que tu vivras. As long as you live. Mais Joshua a combattu. And Joshua battled. Il a fait beaucoup de guerres. He had so many wars. Il a eu beaucoup de victoires. He had many victories. Dieu lui a dit. God told him. Que personne. That no one. Se tiendra devant toi. Will be able to withstand pour you. Pour dire que personne quand il viendra, qu'est-ce qui vient vers toi? No one when he come to face il you. Pourra te résister pour te mettre de l'autre côté. He will be able to resist you to pull you aside. Et quand Dieu a dit ça, il n'a pas dit à Josué que tu auras beaucoup de guerres. So when God said, he did not told Joshua that you will have many battles. Dieu avait vu tout ça. God saw all that. Et on doit savoir dans nos combats, Dieu a vu tous nos combats. So we must know that in our battle, God has seen all le combat battles. Que tu as maintenant dans the battles you have now. Dieu l'avait déjà vu. God has seen it before. Le combat que tu auras après. The battle you have later. Dieu l'avait déjà vu. God already mais saw en it. Voyant ça, il t'a donné la victoire. So by seeing that battle, he gave you victory. En voyant ça, il nous a donné la victoire. He gave us victory by seeing all those battles. Mais c'est à nous maintenant. Now it's up to us. À nous maintenant d'adopter ces attitudes. It's up to us to choose or to adopt those attitudes. Et le Seigneur voulait aujourd'hui, on va prier le Seigneur pour élever notre vierge. So the Lord wants us today to pray to lift up our rod. Le Seigneur veut que quelqu'un élève sa verge. The Lord wants someone today to lift up his rod. Tu as une verge entre tes mains. You have a rod in your hands. Tant que tu n'élèves pas cette verge-là, la mer sera là. As long as you don't lift up that rod, the sea will quand stand there. Quand tu l'avais rencontré, il t'avait donné cette verge. When you met him, he gave you that rod. Quand tu étais dans la prière, il t'avait donné cette verge-là. When you were in the prayer, he gave you that rod. Il se peut qu'il y a 3 ans, tu n'as pas utilisé cette verge-là. It could be that you did not use that rod for 3 years. Vous savez, il y a des moments où Moïse n'avait pas besoin d'utiliser le bâton. You know, times Moses did not need parce that pas rope because there was no problem. Mais à chaque instant qu'il y avait un problème, but whenever there was a problem, Dieu disait, prends la verge. God was telling him to take jette the la verge. Rope. Throw it. Ça sera du serpent. It become now a serpent. Va frapper la verge dans la go mer, dans l'eau. Now to the ça deviendra du sang. It become water. It will turn to blood. Dieu a donné à chacun de nous une verge. God has given to each one of us a rope. Nous avons une parole que Dieu nous a adoptée pour pouvoir nous faire sortir dans des situations. We had a word that God gave us to take us out of some situations. Et cela doit être levé que par toi. And that rod can only be lifted up by you. Cela doit être levé que par toi. It can only be lifted up by you. Je ne sais pas. Si tu n'as pas une situation dans ta vie, tu n'as pas un problème. Tu peux pas prier. I don't know if you don't have a problem or a situation going on in your life, you cannot. On ne prie pray. Pas pour des problèmes qui sont. We don't pray for problems that are right now. Mais on prie pour des problèmes qui d'habitude seront toujours là. But we pray for problems that will often be there. Parce que sur cette terre, on n'aura qu'à combattre. Because on this earth will be only battling. Parce que le diable, c'est ce qu'il veut faire contre. Because that is what the devil wants to do against us. Tu as une verge. You have a rod. Tu as une parole que Dieu t'a. You have a word that God gave you. Tu as une parole. You have a word. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas notre vie. Beloved brethren, let us not neglect our lives. Ne regardons pas qu'aujourd'hui nous sommes bien. Let us not look at how we are doing well today. N'attends pas que demain que la chose devienne difficile, soit aux armes à casser au bout. Don't wait for the thing to become worse tomorrow. Maybe you won't have strength to pray. Prie aujourd'hui. Pray today. Prie aujourd'hui. Pray today. Vous savez quand la Bible dit rachetons le temps. You know when the Bible says let us redeem the time. On doit racheter le temps dans la prière. We must redeem the time in prayer. Racheter le temps dans la prière. Redeeming time in the prayer. C'est de faire de prière pour demain. Is means making prayer for tomorrow. S'il y a le problème aujourd'hui, prie pour aujourd'hui. If there are problems today, pray for mais today. Mais si le problème ne sont pas pour aujourd'hui, prie pour demain. But if there are no problems today, pray for tomorrow. N'attends pas que le problème arrive. Don't wait for a problem to occur. N'attends pas que le combat arrive. Don't wait for a problem. De toute façon, ça ne demande que des yeux. In all cases, he only requests eyes. Pour voir que on a des problèmes, on a des combats. To see or to realize that we have battles, we have problems. Parce que souvent quand on parle de combat, on voit toujours les finances. Because whenever we talk about problems, we see finances. On veut voir le finance, on veut voir la sorcellerie. We see witchcraft or we see finances.
il y a des combats, il y a beaucoup de combats. There are many battles. Il y a des choses que tu demandes, mais pourquoi cette chose ça se passe pas? There are things you are asking but don't come to pass yet. Pourquoi ça ne marche pas de cette façon? Why are they not working that same way? Ce sont des combats qui sont là, bien aimés. There are battles that are there, beloved brethren. Mais bonne nouvelle, tu as une verge. But you have the good news, you have a road. Bonne nouvelle que tu as une verge. The good news is that you have a road. Et on va lever notre verge. And we are going to lift up our roads. Bien aimé, ne néglige pas ces temps. Beloved, don't neglect this time. Non. Prie le Seigneur. Pray to the Lord. Prie le Seigneur. Pray unto God. L'église va prier. The church is going to pray. Mais toi tu dois prier. But you also must pray. Toi-même tu dois prier. You need to pray also. Tu ne sais pas prier, prie ce que tu peux dire. You don't know how to pray, pray what you can say. Je dis toujours à mon fils, la prière c'est parler. I always tell my son, prayer means speaking. Je lui dis, tu vois comme tu as parlé avec ton ami le matin. I know you see the same way you spoke with your friend in the morning. Tu vois comment tu étais à l'aise. You know how at ease you were. Quand je vais, quand on dit la nuit on va prier ou le matin on va prier. When we say now at night we all in the morning. Remplace seulement ton ami par Dieu. Just replace your friend by God. Parle de la même façon. Speak in the same way. Parle. Speak. On va s'élever, on va prier. So we are going to stand and we're going to pray. Mais Dieu n'envoie pas une parole pour rien. Beloved, God doesn't send a word for nothing. Quand Dieu envoie une parole, Dieu voit quelque chose. When God sends a word, He sees something. Quand Dieu envoie une parole, Dieu voit quelque chose. When God sends a word, He sees something. Et Dieu a vu un combat et il a dit qu'on doit prier, on doit agir par rapport au combat de so God saw a battle, so He said that we should pray and battle for our freedom. Il y a quelque part où tu as le combat de la liberté. Somewhere you have a battle in your freedom. Tu n'es pas libre de s'épanouir. You are not free to tu n'es pas libre de toucher l'argent. You are not free to touch money. Tu n'es pas libre d'avoir la paix dans ta you maison. You are not free to have tu n'es pas libre d'avoir la paix au travail. You are not free to have tu n'es pas libre d'avoir la paix à l'école. You are not free to have peace at school or quelque university. Part il y a ta liberté qui bouge. Somewhere your freedom is moving. Tu n'es pas libre dans tes relations. You are not free in your relationships. Tes relations te posent toujours des problèmes. Your relation always causes problems. Te pose toujours des problèmes. Your work always causes you problems. L'école te pose toujours des problèmes. University, school always causes problems. On va lever notre verge. So we are going to lift up our roads. On va lever notre verge. We will now lift up our roads. On va lever notre verge. We will now lift up our roads. Il a dit à Moïse, lève ta verge. He told Moses, lift up your roads. Et fin là. And divide it. Et fin là. And divide it. Et fin là. And divide it. Adam Mongeto Mopepe Koya. Elongodo Matali Kolo.
Solution à ces lieux. Aussi tu le considères loin, tu n'auras pas ce qu'il a amené en ces lieux. Si tu le considères loin, si tu le considères loin, si tu le considères au ciel, tu n'auras pas ce qu'il a amené en ces lieux.
tu n'auras pas ce qu'il a maintenant, Seigneur. La Bible dit toujours dans Exode 14, 3. Pharaon dira, des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les a enfermés. La Bible dit que Pharaon dira, le diable dira, qu'ils sont égarés dans le pays. Ils sont égarés dans le pays. Ils sont dans le pays, mais égarés. La Bible dit, Pharaon dira, le désert les enferme. Le diable te voit dans ces pays. Il dit, oh, il va perdre son temps. Le diable te voit dans ces pays. Il dit qu'il ne fera rien de grave. Le diable te voit dans ces pays. Il dit que rien ne sortira de là. Tu vas parler le contraire. Tu vas parler le contraire. Tu vas parler comme une femme ensémencée. Tu vas parler comme une femme enceinte. Tu vas commencer à proclamer la naissance. Tu vas déclarer le contraire de tes ennemis. Ils disent que tu ne gagneras pas. Ils disent que tu ne produiras rien dans ces pays. Ils disent que dans ces ministères, rien de grave ne sortira. Ils disent que dans cette relation, rien de grave ne sortira. Ils disent que dans ces études, rien de grave ne sortira. Alors commence à proclamer. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Commence à prier. 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 Prie le Seigneur. Parle le contraire. Parle le contraire. Yeah.
Au milieu de ton ensemble, tu viens pour délivrer. Au milieu de ton peuple, tu viens pour libérer. La casso da la baba bouche. Chala braba bouche à la baya. Nalo la bakoye parana. Elongue mona. Ono kumbama. Roboki na lo kumo. Dans la lucidité, voyez la lumière.